Qu'est-ce qui n'est pas juste ou qu'est-ce qui est juste? Je ne sais pas, dites-le, hein. Vous devez entendre, c'est vous qui entendez. D'accord. Même deux. Alors, vous entendez bien que ce n'est pas ensemble, ça ne va pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui va trop vite. 22. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça vient un tout petit peu tard. Ben non, moi, je pense que c'est juste cette fois-ci. Ah bon? Rappelez-vous, surtout quand vous travaillez des détails, il n'y a rien de pire pour un musicien, c'est quand on fait ça. Et quand on fait ça, bon. Alors, si on a, en effet, si on dirige à l'opéra ou si on a d'autres choses ou un soliste à s'occuper, ça, on fait ça, c'est votre œil qui est dans votre main. Très bien. Mais s'il n'y a pas d'autre chose que elle, eh bien, c'est votre œil et votre main doivent être avec elle. C'est que vous décomposez les gestes. Moi, je les décompose pour vous faire voir le principe. Si je fais un appui, bon, très bien, je vous montre ça, bon, je ralentis, et puis j'appuie de nouveau. Mais ce n'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut toujours lier les gestes. Quand je prépare ce poids sur le premier temps, je continue le mouvement, un. Et c'est ça qui va donner le liant au phrasé, voyez-vous? Qu'y a-t-il de plus simple que le geste? Le nouveau-né, sans réfléchir, en esquisse des centaines dès son premier jour. Mais son geste est-il aussi inoffensif qu'il y paraît? Ses bras, ses mains, ses jambes sont apparemment mal contrôlés. Et c'est pourtant à travers cette chorégraphie de pantins désarticulés que, au fur et à mesure des années ou du travail, il façonnera son propre langage. En quelques années d'existence, Pierre Boulez, avec la nécessité et l'urgence de l'autodidacte, a inventé de nouveaux gestes, convaincu qu'un langage musical moderne, sans être de la science-fiction, n'en nécessite pas moins des mutations. Mais comment peut-on, de ses propres mains, forger un nouveau langage? Comme un écrivain qui dessine son propre style, le chef d'orchestre va imposer le sien. À la seule différence que la page blanche est déjà noircie de caractère et qu'on l'appelle partition. C'est à la lecture de cet ouvrage qu'un seul homme va, à la manière d'un acteur que l'on ne filmerait qu'en gros plan,
donner sa propre interprétation et devenir face à un groupe d'instruments, de bois, de cuivre et de cordes, un instrument humain susceptible de transformer les sonorités écrites en un monologue intérieur. Mélange subtil de psychologie et de vibrations physiques, tout cela malgré les apparences dans une impressionnante solitude. C'est là que le chef d'orchestre va naturellement rechercher le contact et le dialogue avec un geste simple, un regard profond, une oreille attentive, pour aller jusqu'au bout de la rencontre, pour qu'elle ne soit jamais artificielle. L'homme sera vigilant à chaque note, même les plus petites. Il lui faudra être sobre, précis, mais aussi pudique pour que cette relation fragile soit parfaitement respectée. Pierre Boulez a compris que l'ornementation n'avait pas sa place dans le langage musical, qu'il soit moderne ou classique, et cela parce qu'il est le plus universel. Même un extraterrestre l'entendrait, et de retour sur sa planète, il reprendrait les gestes de cet homme qui, du haut de son pupitre, n'a qu'un seul désir, celui de parler au plus grand nombre, pourvu qu'il sache l'entendre. Qui pourrait lui reprocher ce geste-là? Alors aujourd'hui, comme le jeune Pierre Boulez il y a quelques années, de jeunes chefs d'orchestre vont devant le maître faire leur premier pas. Non, regardez, vous faites des gestes qui sont bien, qui sont concentrés. Je comprends très bien que vous ne pouvez essayer de pas les faire très bien tout de suite, mais, excusez-moi, vous voyez, vous mettez votre main en position, comme ça, en position un peu large, et vous faites premier signe, très bien. Ensuite, vous faites deuxième signe, vous voulez un petit accélérando, vous le faites. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous laissez le piano se faire. Ensuite, vous avez guitare et mandoline, comme ça. Très bien, vous l'entendez. Et puis, le tri continue toujours. Et maintenant, à toi, à vous. Encore une fois. Prop, prop. Et ça continuera après. Vous voyez, il faut surprendre comme ça aussi. Vous avez vu des poissons dans un aquarium, surtout des poissons exotiques. C'est formidable. Ils vous regardent comme ça, et puis tout d'un coup, et vous les voyez plus. C'est ça. Hein? Alors, là, je ne dis pas que vous faire ça, mais... Vous êtes tranquille, vous faites là, vous donnez la harpe très gentiment, pim pum, elle est très gentille, ça va, au revoir, merci. Hein, tout de suite. Comme ça. C'est ce contraste des gestes qu'il faut. Le son d'un tri arrive. Restez calme et dites, je vais l'entendre longtemps. Je l'ai travaillé comme ça, 1, 2, 3, 4. Comment je le fais moi-même? Non, je sais pas, je vais monter. Ce que je fais, hein, une fois, mais c'est pas obligé, c'est pas une règle d'or. Mais c'est ça, 2, 9. Mais vous les faites très bien, les gestes. C'est pas une question de gestes maintenant, c'est une question de sentir le temps, surtout. J'entends ça, et j'attends que la résonance est presque diminuée. Et eux aussi, ils vont faire ça. Et je fais un geste très lent, de façon à ce que le tri arrive progressivement. Le tri est là, et je commence. Là, c'est plus long. Je laisse le tri. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Oui. Et en avant. J'attends un tout petit peu. Prop, 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 prop. C'est simplement ce temps qu'il faut sentir, cette espèce de liberté. C'est justement cette musique qui est écrite pour ça. Elle est écrite avec la liberté de temps, vous n'êtes pas réduit à une mesure. Donc,
Voilà. You are doing slightly too much. You do that. No, that's enough. Ta. Mm-hmm. But once you have that, you have a diminuendo. Fortissimo diminuendo. One ta. Ta. You know, just be relaxed on that, and if you continue, that's with her. Look what I'm doing when I'm doing it myself. Jouez tous. Doing too much subdivision because it's, you know, when I do the subdivision, I do one, two, one, because you are doing one, two, one. And progressively the tempo goes down, and also you don't have the flow of the music, you see? You should do one, when you have one, two, do it with your left hand, so it doesn't matter. One, two, you don't do too much, you are doing. Let me take your left hand. One, two. Pum, you know, that's my gesture is like that. One, non, don't, ne play, ne joue pas. Un, deux, tiens, pum, pum, pum. You know, that's strong, weak, strong. Okay? Okay. One too much. Look what you are doing. One, two, three. Huh? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Huh? Do that. Very, very calm. And your energy will surprise everybody much more if you are surprising. Surprise. But I mean, if you are just hiding your energy. One, two, and up. Slightly too quick. One, two, three, one, two, three, one, two. Yes. Yes. Yeah. But don't rush. Look, it should be this way. One, two, three. No, you are beginning before me. One, two, three, four, five, one. Mm-hmm. You see? Depuis le début, pardon, excusez-moi.
Pascale Jandose, où est-elle? De remonter, oui, 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 oui. Oups. Attention. Non. Comme ça, ça va? Plus bas. Merci. Vingt-cinq, s'il vous plaît. 26. Votre bras reste comme ça, hein? Regardez. Je sais bien que je n'ai pas des bras de lutteur non plus, mais regardez, c'est... Ta! Ta, 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 là, vraiment, ouais. Hein? Oui, oui. Tiens, tiens. Et c'est beaucoup plus facile. Le muscle ne travaille pas, vous le détendez, au contraire, comme ça. Hein? 26. Hein, vous restez toujours un peu en retrait, comme ça. C'est ça. Voyez-vous? Ça. Hein? Allez-y. Mais il ne faut pas non plus montrer que la Corse à Napoléon, hein. C'est pas le moment. Il faut faire un geste qui soit juste, mais pas emphatique. C'est-à-dire qu'il faut que ça... Tiens, c'est ça, simplement. Et pas... En avant les armées, hein. Non, non. Allez-y. Oui, vous lui parlez à lui, c'est à lui que vous lui dites. Donne-moi quelque chose. Mais oui, mais c'est ça la volonté, hein. Qu'est-ce que vous êtes? C'est imposer votre volonté à quelqu'un qu'il veut bien. C'est ça, la relation psychologique. Sans ça, s'il fait ça, je veux pas de moi, je vais lui faire tout ce que vous voulez. Il a... Oui. Hein? Allez-y. Non, non. Non, non. Faites le mouvement de balance. Il n'y a rien de plus simple que ça. Si vous posez... Là, vous n'avez plus quoi faire vos mains. Oui, si elles étaient en bas, en l'air, etc. Non, regardez, je suis là, j'ai ça ici. Bon, maintenant, je fais ça. Bon, très bien. Je tourne la main simplement pour lever quelque chose. Et là, je tourne la main, au contraire, pour baisser quelque chose. Mm. C'est-à-dire que ça fait... Tiatatam, bon, très bien. Faisons le dernier accord, c'est le Romain 3. Yat, papa, papa. Tu vois où c'est? Yatatatatam. Bon. Et maintenant, vous faites ça, vous gardez le saut pour vous. OK, une dernière fois. Romain 3. Voilà. Laissez les mains ouvertes. Le son continue. C'est pas comme ça le son, c'est ça. Hein? Et vous? Ah non, vous n'arrêtez pas. Moi, je laisse. Et il faut que tout le monde entende cette sonorité. Et ça peut durer. Et il faut rester calme. Et ne pas bouger. Et là, c'est le seul côté théâtral du chef d'orchestre qui peut se payer.
rhythm. One. Takadam. 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 And sortato. Two. And. Four. And. One. Two. Three. Four. Six. Five. And now you can do it. Okay, good. Can we do that again? You know, I would like to. Yes, very little. One, two, three, four. One, two, three, four. That's it. You see? And yes. And don't rush. One, two, three, four. One, two, three, tuck. Pa! Yeah. Tuck. Yeah. Okay. Yeah. Well, continue. Ah, yeah. Voilà. Oui, vous êtes un peu emporté, mais stop, arrêtez. Ok, mettez tout seul. Voilà. One, two, down, three, four, five, six, seven, one, two. One, two, three, four, one, two, three, one. One, two, three, four, one, two, three, one. I don't move. Il fait un, deux, trois, quatre, cinq. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas 1. Très longtemps. Vous comprenez? C'est toujours je donne, je prends, je donne, je prends. Mais rapide. Ah non, 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 c'est 1, 2, 3, 4, 5, évidemment. Ben, évidemment. L'accent. Mais non, regarde comme j'ai mis, c'est ya, ta, 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 pa, pim, tu as tout le monde est sur cette partie-là, okay. Donc c'est beaucoup plus facile. Hein? Ouais, ça. Okay. Mm-hmm. Non, sans jouer, j'ai dit merci. Oh, a lot of authority, thank you. Donc, vous avez eu vraiment l'impression, peut-être que par moment, oui, ce n'est pas si facile que ça, mais au fond, quand on fait les bons gestes, ça marche quand même. Eh bien, il faut vous dire que je vous ai épargné tout le chemin qu'il y a entre ce qu'on désire entendre et ce qu'on reçoit. Parce que là, jusqu'à présent, vous avez eu beaucoup d'illusions, certainement, sur la possibilité de diriger. Vous avez eu beaucoup d'illusions parce que vous avez eu des instrumentistes très expérimentés et qu'il fallait une bonne dose d'inexpérimentation pour les faire tomber. Pardon. Voilà, je vous laisse maintenant aux prises avec la difficulté. Ça va, hein? Ça va. Très bien, moi aussi.
Alors, allons-y avec les deux. Non, regardez, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est, qui fait le début de cette pièce? C'est que tout d'un coup, cet alto attaque comme un cinglé, si je peux dire. Taïm, il interpelle tout le monde. Et si vous faites ça seulement, ça n'interpelle pas beaucoup. Hein. Alors ça fait... Et là, il va attaquer vraiment avec un son rêche, un peu comme ça. Allez-y. Oui, alors là, vous restez aussi. Voyez-vous, les gestes sont pensés convenablement, mais ils ne sont pas bons de réalisation. Pour diriger trois instruments, vous faites des gestes hein, comme si vous dirigiez 300 instruments. Ça, c'est une espèce de chose, disons, naturellement, de visuel, mais c'est aussi un rapport psychologique. Si vous êtes comme ça, avec des gens qui sont à un mètre de vous, et vous faites des gestes comme ça, ils vont croire qu'ils sont simplement les premiers d'une centaine de personnes. Alors ça ne va pas, vous comprenez? Bon, très bien, je continue. Etc. Un, tagadam. Un, tam, pam. Et ça suffit, hein? Oui, mais les salles, bien, vous entendez. Vous voulez avoir quelque chose, mais vous ne l'écoutez pas. Hein? Si. Non. Vous aurez beau me dire si, je sais très bien que non. Vous la menez, c'est comme si vous meniez comme ça. À la fin, je vous dirais non, je reste. Parce que j'ai envie de contredire. Mais quand je fais, moi, regardez, ça fait 1, 2, 3, un tita, bon, pardon. 1, 2, 3, un ta, pipon, pam. Je veux entendre les doubles notes, les doubles cordes et les triples, les accords de 3. Et il faut que je lui laisse le temps d'agripper tout ça. Vous comprenez? Alors, si vous ne lui laissez pas le temps, si vous ne l'écoutez pas, ben, le rythme va être là, mais la sonorité ne va pas être là. Voyez-vous? Alors, regardez encore une fois, faites ça avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, un tita, pam. Et là, j'entends tout. Voyez-vous? Mm-hmm. Oui, tout juste, hein? Laissez-la souffler, hein? Mais non, vous la laissez pas, vous poussez, là, hein? La poussée, il faut qu'elle ait le temps. J'écoute, je veux entendre toutes mes notes, y compris les petites. Hein? Allez-y. Oui, regardez, il y a... Non, 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 mais je vais vous dire, vous ne savez pas ce que je veux dire et vous dites OK. C'est un peu trop tôt quand même. Vous avez le j'écoute qui est important. Hein? C'est j'écoute. Et là, elle a le temps de le faire. Elle prend son temps, mais elle sait qu'elle est encore dans un 7-16. C'est toujours la même chose. Il faut que votre géométrie du geste soit là, mais qu'il comprenne absolument tout ce que vous voulez entendre. Ça, c'est un principe, pour moi, capital. Sans ça, on dirige des chiffres. Allez-y. C'est bien, mais ce texte avec les doubles croches pointées, ça veut dire je flotte, j'écoute marcher. Hein, c'est vraiment très descriptif, je peux vous dire. On dit de la musique contemporaine qui est toujours austère et abstraite. Là, on voit le contraire. C'est ça, ta-di-ta-dam. Et puis, un, deux, trois, dans mes jambes, etc. Ouais. La mer, bon, très bien, on entend. Bort hein, c'est tout ça en contraste. Et il faut que vous apportiez ça. C'est ça le sens du texte. Hein? Il faut que ça passe dans vos gestes. Allez-y. Ralentissez, ralentissez. Un, deux, pam, pam, plus, pam, etc. Bon, merci beaucoup.
vous êtes prêts? Oui. Ok? Non? Comme vous êtes tous amplifiés, passablement amplifiés, faites attention à tous les mouvements que vous ferez. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Oui, mais j'aimerais que tout le monde me dise oui. 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 Ok. J'ai entendu ce morceau de pièce avec un tel roubato. Je crois que je ne serais pas arrivé à le faire moi-même. On va dire. Ah.
qui sont affreux. Tu dépenses beaucoup trop. Hein, parce que tu fais trop de trucs comme ça. Non, regarde, 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 regarde. Tu as fait pour le 1. Yom, pom, pom, pim. C'est pas. Ya, ta, ta, ta. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Que je surveille du coin de l'œil dans ma partition. Non, Marc-André, je vais te montrer qu'on peut le faire plus vite, tu vas voir. Oui. Mais tu passes, tu donnes trois fois trop de mal. Tu vois. Alors attention, plus vite. Je le fais plus vite que le tempo, hein, exprès. Juste pour voir. Ya, ta, ta, toi, un, deux, ya. Alors, bon, voilà. C'est pas la musique, mais mécaniquement, ça marche, tu vois. Bon, merci beaucoup, Marc-André. On a qu'à te mettre devant vous, vous pas. Vous n'avez pas beaucoup encouragé à faire un crescendo. Naturellement, vous pouvez avoir confiance en eux, mais il ne faut jamais avoir confiance en personne. Croyez-moi. C'est-à-dire que s'ils ne vous voient rien faire, ils ne feront rien. Parce qu'ils se diront, mieux vaut rien faire que de faire quelque chose qui est faux. C'est tout à fait normal comme raisonnement. Vous comprenez? Tandis que si vous faites ça, bon, ils vont se dire, oh, ben, s'il veut rien, il veut rien, après tout, hein, pourquoi je m'en ferais plus que lui, vous comprenez? C'est normal comme réaction psychologique. Ce qui suppose que non seulement on fait attention à ce qu'on donne, mais on fait attention à ce qu'on reçoit. Et c'est vraiment la chose la plus importante dans un dialogue avec les musiciens, c'est ce que vous entendez qui va décider de vos gestes. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut les lancer, parce qu'un instrumentiste a toujours le potentiel en commençant. Le potentiel se dégrade quelquefois très vite. Alors, il faut donner, la lancée, et puis après, vous l'écoutez un peu. Quand vous faites 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que chacun soit conscient de cette pulsation que vous voulez obtenir. Et après, on le fait naturellement sans bavarder. Non. Allez-y, faites ça encore. Seulement ça. Encore. Voilà, ça marche. Hein? Alors, maintenant, ce qui est important, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il y a le piano. N'est-ce pas? Le piano qui fait des accords résonnants qu'il faut que vous donniez. Alors, faites le piano seul. Hein? Tu es prêt? 1, 1, 1, oui, c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà, hein? C'est-à-dire donner à peine une impulsion, faites-le. Très bien. Voilà, ça c'est bien. Alors, maintenant, faites-le dans le tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, non, vous tombez trop vite, vous voyez, vous avez fait ça, 1, 2, 1, 2, 3, 1, j'exagère, hein, mais c'est ça qu'il faut faire, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc. Enfin. Okay, that's good. Yes, good. Very good.
Okay, let's take a quarter of 12. Okay. Three, four. Because now that sounds like that. Could we try and tuck that in? Just try it once. I think it would be better, yes. Yeah. Can we take... can we take more graceful, sir? Can we take just the two last bars before 13? Two last bars before 13. One. So now let's begin with everybody, please. Just do softer, much softer. Yeah, there is no mystery at the beginning. The accent comes slightly later after the beat. I want here, like, you know, I like for the Webern, when I give that, also German type, wah, and the sound not here, but here, okay? Wah, because the time that's the strings, you know, speak, and I don't want the kind of beginning like that, you should come also in the same time. You will try it. Yeah. Pa. Right? Slightly after. Huh? Two before one without a beat. Yeah? Two before one. One before one. Now. Somebody was a G sharp against a G double sharp. Tony, you have a G double sharp or not? You did that? Well, somebody is doing a G sharp only. Can we take, or something wrong? Yes, I mean, may I have the three trombones once, just to check? One. You're right then. Ah, so last time it was not like that. So can we take figure two. One, two before two.
come to the country, I go forward. Let the cello a little bit of air. Wa-ya-ta-ra. It sounds still a little bit, convoluted. Can we take, please, You never stop, even with the biggest disaster. Go on. Wait, please, wait. Yeah, you don't listen. You are too also like everybody else. You are too anxious to continue. You look like a robot who says, "Ti brum pum, tu cock pum, ti brum pum, ah, ti brum pum, ah, ti brum pum, ah, ti brum pum." Yeah, you see. C'est pas que j'ai une manie, mais si on voit ça, on ne sait pas si c'est deux ou trois de profil. Je peux pas faire ça. Vous pouvez pas le faire. Non. Je peux pas le faire. J'ai un problème de doigt. Je veux faire ça. Faire un petit comme ça, ou alors si j'ai 2 francs, 3 francs, 5 francs, etc. D'abord, excusez-moi, mais c'est pas beau à voir. Non. Je vais vous faire voir un truc. Vous ne priez pas, vous ordonnez. Vous obligez les gens à jouer. Vous tirez, comme ça. C'est ti-tam, je veux ça. C'est pas simplement s'il vous plaît. Non, c'est pas ça du tout. C'est je veux, je veux, je veux. Et si tu joues pas, attention, c'est plutôt ça. Je plante le poignard, là. Imaginez un peu. C'est ralenti, c'est tout d'un coup ça. Si je vous serrais le cou, je le ferais lentement. Mais 1, 2, 3, 4, 1.